Il a fallu que je redémarre le PC pour que le jeu se lance. Allez hop. Bah du coup on est sur Stray et là j'ai réglé du coup le souci du son que personne ne m'a dit. Donc Stray, genre je pense que plein de gens y ont joué. Moi je l'attendais, petit jeu avec un chat. Donc voilà, on va se lancer dessus. Ça peut être pas mal. Je sais pas du tout ce qui va se passer dedans. Je pense que c'est un truc. Comment ça s'appelle? Plateforme, peut-être un peu. Plateforme mining. Je pense que ça va être comme ça. Et ben c'est parti. Hop, on démarre. Nouvelle, démarrer. Alors j'ai un chat qui est exactement de la même couleur. C'est pour ça. J'ai retenu, je crois que je joue mon chat. C'est ça, exactement. J'ai un chat exactement de la même couleur qui s'appelle Horus. Ah, c'est trop chou. Voilà, on va être, je pense qu'on va être dans un jeu tout mignon. C'est vraiment douceur et papille incarnée. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est parfait. Hop. Voilà. Il faut juste une chose. C'est bon pour le son du jeu, ça va? Bah, c'est parti. Ah, et là on va, et là on fait tous un petit somme. Les détails du jeu sont vraiment beaux, hein. Ensuite, il est très récent, hein, on va dire ça comme ça. Pour moi, ce chat va vraiment s'appeler Horus. Il ressemble genre trait pour trait au mien. C'est-à-dire roux avec des rayures et les yeux verts. C'est trop bien. Alors, réunion de chat. Que se passe-t-il? On n'a plus à manger. Ah, j'aime bien comment ils nous regardent en mode partons à l'aventure. Viens avec nous, suis-nous. J'arrive. À l'intérieur du mur. Pourquoi on est tous descendus du coup? Ah, c'est bon, je peux enfin me contrôler. Ok, on peut miauler. Ah, on peut courir. Voilà.
C'est trop chou. Oh, on peut faire ses griffes. Ben voilà. Je comprends mieux pourquoi les chats le font. Non, en vrai, petit marquage de territoire là avec les griffes. J'imagine. Est-ce qu'on boit ou... On boit, on boit. Je croyais qu'il était en train de sniffer l'herbe. Par contre, il miaule très faiblement. Un chat, ça ne miaule pas comme ça, je vous assure. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut se frotter. Ah, il y a des oiseaux. Est-ce qu'on va pouvoir chasser? Ah, on va peut-être pas du miauler. En tout cas, on a une petite bande de rouquins. C'est pas mal. Et hop. On fait comme les... C'est un peu mon grand frère, le chat. Je vais faire ce qu'il fait. Human personal only. Ok. Oui, du coup, c'est bien ce que je pensais. Ça va être un petit jeu de... Je pense, plateforme mining. Des chats malades, hein. Pas. En même temps, ils ont pas l'air très en point. On peut pas courir, nous aussi. Comment on court? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a rien. Allez. Ouf. Oh l'angoisse. Je suis pas très... Vaut mieux pas être trop claustro. Claustro. J'ai du mal à dire. Hein. On a de l'huile. Moi je vais tomber, je pense. Allez, vas-y poupette. Oh non! C'est Mufasa là. Adieu. Je suis tombée. Pauvre petit. Non mais il ressemble tellement. Je vais l'appeler au russe, hein. Je suis désolée, mais il ressemble trop à mon chat. Ok. Ah, je suis mal en point. Salement par terre. Attendez, salement par terre. Et je pense pas qu'on se relève aussi facilement. Wake up.
Dans l'eau croupie. Dans l'eau croupie plutôt. On peut courir quand même. Petit robot. Et ils ont fui, hein. Ils ont fui. Est-ce que je peux sauter? Bonsoir. Une petite flèche là. Je pense que c'est une échine. Un petit robot. Ok. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Là, on a un petit cadenas. De toute manière, je suis un chat, je n'ouvre pas les portes jusqu'à preuve du contraire. De rentrer dans la gadoue. Pourquoi je vais là-bas pour monter là-haut? Oui. Ensuite, est-ce que je peux aller là-bas? Ça, c'est pour retourner en arrière. Ok. Bon, il n'y a pas trop de difficultés. Hein. Quand je suis au bord, il me stoppe, hein, dans mon élan. Je peux pas choisir de tomber. Follow me. Ok. Je peux attraper un petit seau, c'est trop mignon. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Mettre des gouttes dedans? Je vais arrêter de m'amuser à attraper les seaux. Ah, peut-être un seau là pour empêcher les hélices de m'exécuter. Que je peux sauter avec, je pense. Oui. Donc on va mettre ça là-bas. Je pense que c'est pour éviter que les hélices me tuent. Voilà. Évidemment, ça se stoppe pile au bon moment. Ça, c'est quoi? La peinture bleue. Oui, je viens de commencer, exact. C'est le tout début. Je vais pas m'amuser à l'envoyer. Je suis un vrai chat. Je vais tout envoyer par terre. Oh, c'est. Je comprends mieux pourquoi ils font ça, franchement. Le kiff. Ok. Alors, ça va faire quoi si je le fais tomber celui-là? Ok. Bah, on peut descendre. Follow me. Je follow. 11 octobre. C'est quoi cette chose? Ah, c'est pour boire. Parfait, mais j'en ai pas besoin. Ok, j'imagine que je dois aller dans le seau. Et on descend. Allez, hop! Les petits robots toujours. Et je peux rien faire par là. C'est assez linéaire, hein, donc hop, on va suivre.
Je suis pas un très bon chat. Hein. Activité principale, meurtre de robot. Qu'est-ce qu'on va pouvoir le faire à ce petit bonhomme? J'imagine qu'il faut aller là-haut. On va aller sur la poubelle là-bas. Hein. Ok. Et d'ici, je peux sauter là. Ce sera plus simple. Parfait. Continuons. Il y a toujours les espèces de petits robots qui ressemblent à des coccinelles. Hein. Donc, go les suivre. Je pense que c'est le mieux. Ou peut-être pas. Je vais me prendre un de ces trucs. Ah, on va courir. Oui, allez, c'est parti. Ah oui, ils sont pas très contents. Je sais pas ce que je leur ai fait, hein, mais... J'ai fait n'importe quoi. Allez, hop. Ah là 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 là, parfait. Allez, aux Russes. Mais c'est trop mignon, j'ai même pas envie de me battre comme ça. J'aime bien la musique. Pour Forest. Ah ouais, clairement là, c'est... Oula. On dirait un peu des tics, hein, comme... On dirait des tics, mais en mode robot. Quelle musique intense. Follow me. Allez, je follow. Ok. Est-ce que je dois aller par là-bas? Bon, c'est pas... On va suivre la petite, les petites flèches. Hein. Ici, pourquoi je pourrais venir là? Bon, aucun intérêt. En vrai, si, peut-être. Hein. Je veux voir un vrai chat faire ça. Je vais apprendre à mes chats à faire ça. C'est la meilleure idée. Okay. Descendons. Pas mal. Oui, d'accord. Mais encore, dites-moi tout. Tout ça pour retrouver mes potes. Faire des câlins avec mes copains et disparaître dans la forêt. C'est bien résumé. Faut que j'aille... Oh, il y a la... Alors, attendez, est-ce que c'est à chaque fois que je miaule? Oui. Voilà, la caméra bouge à chaque fois que je miaule. Du coup, je suis heureuse. Donc, j'aille par là. Je peux pas sauter de là. Qu'est-ce que je peux bien faire pour aller là? Oui. C'est pas censé être... tac tac. Et ça, ça fait rien. Si je mets la côté, non. Je dégage tout. Hein.
Tac tac. Alors, oui. J'ai bien compris le truc de. Je dois aller là-haut, mais. Ah, mais oui, faire tourner, évidemment. Voilà. Ce sera plus simple comme ça. Il y a la caméra qui me suit. Moi, j'aime bien ce petit détail. Mais je veux aller vers l'argent. Je peux descendre ou il y a possibilité que je me casse les pieds? Non, c'est bon. Hop. Il y a toujours la caméra. Est-ce que, du coup, dès que je miaule, elle dit oui. Je suis... Ah oui, il va y avoir un peu trop de joie en moi, je pense. Ce n'est pas la meilleure idée qu'on ait. J'imagine que je suis obligée. Ouais, obligée d'aller par là. Hop. C'est pas mal. Allez hop. On suit la flèche. Je sais pas si on va être assisté un peu comme ça partout dans le jeu, mais moi je préfère quand je galère un peu plus. Ça me rappelle un petit peu. Alors, c'est pas un jeu avec un chat, mais ça me rappelle beaucoup, en tout cas, le fait d'être. De suivre comme ça. Ah, je vais pas me rappeler du jeu. Oh là là, c'est l'enfer. Alors, qu'est-ce que vous me dites de passer par là? Oh, en fait, c'est comme une petite aide, hein, les lumières. Je pense que ça va un peu disparaître au cours du jeu. Bonjour, bol de nouilles. Bah, je vais encore devoir. Ah bah non. Je pensais, mais non. Je pensais qu'on allait encore devoir le bloquer avec bah, le truc là. L'appartement. Bah, les parties sont. Les parties. Les... Oui, les parties sont courtes. Besoin d'aide. Oh, c'est trop bien. Données corrompues. Il n'y a pas de souci, je peux rester. Corps requis pour téléchargement requis. D'accord. Passer la porte, allumer, trouver un corps. C'est trop bien. Oh, je peux continuer comme ça pendant des heures. Non. Oui, d'accord, j'ai compris. J'y vais. Allez, on passe la porte pour trouver un corps. T'as besoin de ça pour faire... Ah, on peut faire ça comme ça. D'accord. Ici, clac, clac, clac. Ok. Alors, l'achat, j'imagine qu'on va le remplacer. Lâche. Et on va mettre celui-là à la place. Non? Ah, mais il y a des clés. C'est ça que j'imagine que je veux. Les clés. Alors, attendez. Pif, paf, pouf. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je peux peut-être activer chacune de ces choses. Ok. Ordinateur. Numéro uno. Il y en a un là-haut. Hop.
Parfait. Numéro 2. Oh, bon, mais le... Ah, j'ai galéré. Ça commence bien, ça commence bien. J'imagine que j'aurais besoin de celui-ci. Mais j'ai vu les clés et je me demande si je peux les choper. À quoi ça me servirait? Je suis un chat. Je n'utilise pas de clés. Où serait la dernière? Là. Parfait. Bon, on les a toutes. On va pouvoir activer The Last Machine. Ça peut être pas mal. Allez, donnez-moi ça. Et paf. Oui, finalement, je me suis obsédée pour des clés, mais pour rien. Alors, ici, je fais clic-clac-clouc. Ah. Par ici, la sortie. Bonjour. Bonjour chez vous. Alors. Il me faut une tête. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Ta-na-na-na-na. Je suis folle. Par ici, ma chère. Je ne sais pas. Là, il y a un truc à faire. À faire tomber. Attendez. Ça va. Ça va. Ça va. Alors. Je veux aller. Allez! Par ici. Hop. Par là. Comme ça. Et là. Bah bidule. Voilà, c'était le B. C'est une tête? Est-ce que c'est une tête? C'est quoi ça? Je dois le foutre là. Ça sert à quoi cette chose? Mais je ne sais pas. Allez, quelque chose. Ça doit bien se mettre quelque part. Pourquoi j'ai retourné ici, je suis pas sûre que ce soit la solution. Non, en plus il bug. Et si j'emmène ça quelque part? Je vois pas à quoi ça pourrait servir, c'est quoi? Ah, c'est des yeux. C'est des yeux, c'est des jumelles on dirait. Je pourrais les mettre où? Est-ce que je dois les associer à cette chose qui est tombée? On essaye. Ce n'est certes point ça. Et là, par là. Tac. J'ai une petite tête. Ah! Il y a des flèches. Ok, donc qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait un petit robot. Bah, c'est un petit robot. Un petit robot. Je sais pas ce qu'il va se faire. Il est trop chou, le petit robot. Ok. Voilà, un chat reste un chat. Hein. C'est vraiment trop chou. Oui.
Ça marchait, je suis libre, merci. Je ne croyais pas les caméras, un chat dans la ville morte. Je suis, j'ai oublié mon nom, je crois que ma mémoire est endommagée. Je suis resté trop longtemps prisonnier du réseau électrique. Je sais que je vais travailler pour un scientifique qui vit ici. Pour le moment, tu n'as qu'à m'appeler B12, c'est ce qui est inscrit sur ma coque. La ville morte est un endroit dangereux, mais tu as l'air débrouillard. Sortant d'ici, suis-moi. Allez, je te suis. Il est où? C'est tout ce que je me souviens. Ah, il va falloir la récupérer. Je vais te l'attraper. D'accord. Très bien. Ma batterie est déjà presque vide. Viens par ici. Oui. Il va falloir que tu mettes ça. D'accord. C'est quoi? Oula. Ah, grave, hein. J'allais dire, tu mets ça à un chat, il va faire ça, hein. Oula, pas content. Pas content du tout, le chat. C'est grave. Mais ça, c'est rien que tu mets le harnais à mes chats et c'est pas genre aussi... Et ça doit pas être aussi spécifique. Ce sac à dos est conçu pour les petits quadrupèdes dans ton genre. Il n'est pas trop gênant à le porter. Ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. J'ai numérisé la clé et je l'ai placée dans le sac à dos. Oh, souvenir, c'est quoi? Oh... Oh bon, il y a des petites choses à choper, je crois. Facile. Pour savoir à quoi sert un objet, montre-le-moi. Montre-le à d'autres gens si on se croise. Et maintenant, il faut sortir de cet appartement. Ok, bah sortons, sortons. La sélection. Hop. Ouf, ça c'est de la lampe torche. Ok. Code. Ah, le code 3748. Alors, on peut faire du piano. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un piano dans un jeu, je m'amuse à faire n'importe quoi? Digicode. J'ai dit quoi? 3748, je crois. Allô? Ah, putain. Voilà. Ah, merci, merci. Ah, je sais. Alors, écoutez, j'ai tout donné. J'ai appris mon solfège et tout. Quel drôle d'endroit. C'est un chasseur au loin, je crois que c'est important. Je sais qu'on doit monter. Il n'y a pas de souci. Alors, bah, montons. Regardez-moi ce chat. Par contre, c'est un peu dégueu là dans la ville, non? Alors, le nombre d'années de solfège se compte depuis ma naissance, hein. C'est pour ça que je donne tout quand je joue un piano. Oh, je suis lâche, je suis un trop beau chat. Voilà. Attends, ça me revient. L'extérieur, oui. J'ai l'impression d'être déjà venu ici, c'est de là que tu viens. Ah non, j'ai pas le time. Eh, c'est comme les tu vois les petits comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Mais souvent c'est... Ah, je l'ai plus. Bon bref, dès ta naissance tu fais ça et comme ça tu deviens bon quoi. Ah, les explications foireuses, le retour. Cette carte postale, elle a inspiré cette peinture murale. Prenons-la. D'accord. Nouvel objet acquis. Petite carte postale. D'où me viennent ces souvenirs? Comment sont-ils arrivés là? J'ai pas compris. Alors, j'ai fait 23 ans de solfège. Du coup, on est sur quelqu'un de plutôt doué, normalement. Normalement, le solfège, t'es censé l'apprendre en quelques années. Je sais pas en combien de temps on l'apprend, en vrai. Mais si, il te faut 23 ans pour apprendre. Il y a des soucis. Non, en vrai, 23 ans de piano, ça pourrait être pas mal, hein. Allez, par là la sortie. C'est quoi ça? Bon, je m'amuse. Allez hop, on monte dans le seau.
Zone sécurisée. J'ai traduit le truc avant que c'était... Oh non, il y a encore les monstres. Les monstres. Les pucerons solitaires. Non, non. Oh là, camarade. Ah il faut que je m'en débarrasse vite. Là, par là. Voilà. Ça, c'est un humain. Il pourra m'aider. Aide-moi, on me poursuit. Les taudis. Ah, c'est pas fort. Oula. Et fuis-moi. Ok, je savais pas que j'étais aussi terrible. Terrifiant, la petite chose. Et je peux pas aller par où il va, j'imagine. Voilà. Allez, fuis. Devant ton maître. J'aime vraiment bien les musiques par contre. Oh, ils ont vraiment peur. Mais j'ai rien fait, je vous le jure. Je suis un gentil chat. Petit robot qui boite. Je vais pas me battre quand même. Je suis venue en ami. Promis. Il va vouloir me caillasser la figure. Oula, tu m'étonnes que s'il voit ses yeux et qu'il sait pas ce que c'est un chat, il s'en méfie. On peut s'approcher tout gentiment. Oula, visage de la haine, hein. Oui. On dirait qu'ils ont leur propre langue. Tu n'es pas un zerk. Non. Tu es d'une espèce inconnue. Tu es le bienvenu dans notre village tant que tu ne manges personne. Oui. A priori, jusqu'à preuve du contraire, je ne vais manger personne. À part si je suis le chat là. Avec la mâchoire. C'est dans quoi? C'est dans... c'est dans Men in Black. Voilà. En plus, le chat dans Men in Black, il a pas la même couleur. Faudrait que quelqu'un ait vu le film. Tu as l'air perdu. Tu as besoin de quoi? Mais quel objet? Carte postale. Oh, une photo de l'extérieur. Ridicule. Cet ascenseur ne fonctionne pas. Tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit, enfin, sauf les extérioristes. Mais ils sont tous partis maintenant, sauf nous. Tu peux essayer de lui parler si tu veux, mais il a abandonné toute idée de départ et s'est tendu. Il vit tout en haut de ce bâtiment avec le néon orange. D'accord. Donc toujours les néons orange pour nous dire où on va. Je vais essayer de parler quand même à tout le monde. Moi, je veux parler à tout le monde. Oh, je peux faire mes griffes. Allez, je vais bousiller votre tapis. Tu nous fais tellement peur, on t'a pris pour un zerk. Parler à Joris. Et si je lui montre le... Je peux lui montrer l'objet ? Oh, très joli. Rona, tu pensais vraiment prendre l'ascenseur? Je n'ai jamais vu ce truc fonctionner et j'aurai 374 ans demain. Quel beau rêve, quel dommage que ce ne soit qu'un rêve. Qu'est-ce que je peux... Bonjour, monsieur dame. Pourquoi monter là-haut? Il n'y a rien là-haut. Je crois que nous, à ce genre d'image, tu lui as montré Angela. Angela, on va dire. Johan. Oh, oui.
Bonjour. Oh, ne viens pas interrompre ma méditation avec ce genre d'image. Je m'occupe des plantes, les humains les ont tellement améliorées maintenant, elles n'ont presque plus besoin de lumière. Je les arrose à peine et regarde comme elles poussent, c'est une technologie vraiment incroyable. Tu veux aller dans l'extérieur? Alors bonne chance, tu n'es pas prêt d'y arriver. Merci. Toujours sympathique ces robots. C'est quoi? Bonjour, je suis le marchand du marché. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en échange aussi simple que ça. Ok, bah oui, why not? Allez, je le veux. Ceci est une ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres. Ça te coûtera 3 canettes de boissons énergétiques, c'est le minimum. Je n'ai pas l'objet, je n'ai pas. C'est quoi ça? Le marché, ok. Inspecter câble. C'est un lot de câbles électriques, les meilleurs du marché. Je dis l'échange contre de la lessive Super Spirit. C'est le mieux que je puisse faire. D'accord. Oh, une partition. Vous voyez qu'on va, on va jouer du Mozart. Une œuvre d'art magistrale d'une artiste très célèbre. Ça te coûtera une canette de boisson énergétique, c'est le minimum. Ok. Donc on peut trouver des canettes pour payer. Vince, regarde toutes les merveilles cachées. Et dans cette poubelle, un trésor tombé du ciel, enfin tombé de quelque part. Si je te montre un ciel bleu, ah, imagine ça. Rencontrer. Heureusement qu'on a ces objets pour nous défendre contre les arcs. Les taudis sont dangereux et se préparent. Et se préparer, excusez-moi, est capital, les taux. Dis-moi tout. On tombe parfois sur une fausse image comme ça. Elles évoquent tout l'extérieur, sans doute un beau rêve. Oui, donc ils pensent tous que c'est un rêve. Mais je peux pas. Où c'est que je trouve mes canettes du coup? Je veux des canettes. Je veux des canettes. Ok, je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, on peut avoir une canette, non? Je peux utiliser une machine? Non. Vous savez que ce que j'ai envie de faire, c'est d'acheter la partition. La salle aux égouts est condamnée à cause d'une prolifération de Zerk. Ne prenez pas de risques, restez dans la zone sécurisée. Okay. Oh. C'est quoi la note mystérieuse? Je peux l'avoir? Code mystérieux, oui. Il est écrit sur les chiffres, mais on dirait un langage binaire d'une succession de 0 et de 1. Il doit y avoir un moyen de déchiffrer ce code, c'est sûrement celui du coffre. Bah, le montrer à un robot. Et c'est un robot. Mais apparemment, il n'est pas doué. C'est quoi ça? Oh! Chat en papier. Alors, je vais n'importe. Genre, ça n'obéit plus aux forces. Je ne maîtrise plus mon chat. Ah, punaise. C'est trop bien. Je peux en retirer maintenant? Bon, ben voilà, on aura vu ça. Ok, et toi, tu es quoi? Bonjour, je suis musicien, mais je ne connais aucune chanson. Eh ben, écoute. Je vais acheter la partition. Attendez, je vais acheter la partition rien que pour toi. Je sais pas si c'est très utile, mais je m'en fiche. Et paf. Le ballon. Ah, j'aurais pu faire... Mettre un panneau. Bon, pas grave. Je veux ça. Je veux ça, je veux ça. Oui, bah vas-y, prends-la. Canette. Et voilà. Voilà, j'ai la partition. Paf. Oui, je veux juste écouter de la musique. Est-ce que cette truc marche? Non. A priori, non. Oula, c'est la débandade. Je veux écouter la musique. Regarde, j'ai un truc pour toi. Ton calcul du soir. Oh, celle-là est chouette. Écoute bien. On peut se mettre là et écouter.
C'est trop bien. Non, moi j'aime bien, j'aime bien. Non, franchement, c'est trop bien. Bon, c'était bien amusant. On va le... J'ai bien fait de lâcher. Meilleur achat de ma vie. Du coup, est-ce que si je monte... Elle est folle. Parlez au gardien. Est-ce que je peux te montrer ça? C'est un code binaire bien curieux que tu as là. C'est un seul un vrai geek peut lire ça. Qui m'a dit? Attendez, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que c'était un geek? Non, c'était. Oh, choupette. Non, c'est pas vrai. Bah, où c'est tendu? Oula, c'est tendu. C'est dingue. Bon, il va falloir qu'on trouve un geek. Mais je vais réécouter un peu de musique. Oh, tu veux pas rejouer? Non. Bon, laisse tomber. Je reviendrai plus tard. Pif paf pouf. Donc, on a un geek à chercher et l'autre monsieur. Il y a une flèche là. Excuse. Allez, on va suivre la flèche. Suis la flèche. Paf. Mais du coup, ça m'emmène là, en fait. Utilité zéro. Commençons par... Non, arrête ça. On l'a déjà fait une fois, c'est bien trop. Toi, tu veux quoi? Ces types n'ont pas intérêt à faire tomber un autre pot de peinture parce que ça va énerver Cosma. Zoé, tu pourrais me dire toi? Ok, donc tu me dis que ça. Et là, l'extérieur, pourquoi s'embêter à le trouver? Tout va bien ici. Oui, enfin vous êtes terrés comme des rats quand même. On va m'ouvrir. Ouvre-moi. Tu fais partie de ces chenapans qui s'amusent avec les pots de peinture sur les toits. Arrête avec la peinture, j'en ai marre de nettoyer mon perron à cause de tes bêtises. Mais moi je veux rentrer, madame. Laissez-moi rentrer. Non, il n'y a pas moyen. Non. Il n'y a pas moyen. Bah vous... Ah, je les vois. Alors attendez, on va régler le problème. Bonjour. Attention, je dois me concentrer. Pas question de faire tomber un autre pot. Mais pourquoi? Ah, mais du coup, ils font pas exprès. Ils font pas exprès. Qu'est-ce qu'on peut faire par là? Je fous le souk. On voit un peu la ville de partout. Quand même de la végétation. Oh, petit ballon de basket. Tentative de meurtre échoue. Allons de l'autre côté parler avec monsieur. Bonjour monsieur. S'il te plaît, n'embête pas Vapora, elle est trop maladroite. Pourquoi ils ont besoin d'autant de peinture? Vous faites quoi avec tout ça? Curiosité qui est la mienne. Bon, ça c'est pour descendre. Oui, d'accord, très bien. Alimentation électrique de la ventilation. J'ai coupé une ventilation donc je vais pouvoir entrer quelque part. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à faire par ici?
Déjà, on peut voir de l'eau sale. Aller plus loin. Je crois que là on est au-dessus de... Ah, super. Se rappeler. Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Oui. Au début, leur IA de base se contentait d'imiter l'art humain. Maintenant, ils font ça tout seuls. Les humains disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. On peut dire que c'est le cas actuellement. Ok, nouveau souvenir. Puis-je descendre ? On se retrouve là. Bon, on va continuer un peu notre exploration. Donc j'ai vu... Est-ce que je peux aller reparler à la madame et lui dire que c'est pas de la faute des gens ? Bonjour madame. Non mais c'est pas des chenapans. Bon bah apparemment non, je peux pas la convaincre. Traducteur, lavomatique, super spirit. Ah, il nous faut du super spirit pour acheter des trucs. Donc ça doit aller être à droite. Les fringues à mémé, programmation, Elliot. Et j'imagine que c'est pas par là. Si. Parce que programmation, j'imagine que la personne pourra nous traduire aussi. Donc si aujourd'hui est le lendemain d'hier, demain sera le hier d'aujourd'hui. Pas vrai, le temps est étrange. On ne vieillit pas comme nos ancêtres les loups. On est enfermé ici pour toujours. Alors que penses-tu? C'est très joli, mais ce serait bien si c'était vrai. Non, tu peux rien me dire dessus. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il me dit au revoir. On va par là. Je vais le faire. Ouf, souvenir ça. Se rappeler. Qu'est-ce que tu nous dis? Vas-y, dis-nous. Reposez en paix, humain. Les humains pour la première à vivre ici, on dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça va faire ça fait quoi, mais... Je sais que c'est une question idiote de ma part, mais sont-ils vraiment en paix? Est-ce que je trouverai la paix en mourant? J'ignore à quoi ressemble la mort pour moi. Je m'excuse, je ne voulais pas plombier l'an. Ça recommence pour les la dyslexie. Plomber l'ambiance, continuons. Donc ça, j'imagine que c'est des souvenirs. J'ai rien fait, c'est pas moi. Pardon monsieur, je peux pas l'aider à se relever. Tu veux pas me parler? Oula, oula, oula. On va se reprendre une canette. Donc il nous faut deux canettes pour acheter autre chose encore. Il nous faut du White Spirit aussi. Il y a quoi d'autre par là? Ta la ta ta. Il y a quoi d'autre par là? Je ne sais pas. Oh, il y a quelque chose ici. Traduire. Je cherche toutes sortes de partitions pour jouer de la guitare. Oui. Ça on sait. Ça, on sait. Ah, bah on est revenu au point de la case départ. Donc, on va continuer par là. Hein. Tic-tac-touc. Lui, on s'en fiche. On lui a déjà parlé. Donc, on est allé à droite. Traduire, c'est quoi ça? Les fringues à mémé. J'aime beaucoup le tricot. J'en suis à 770 km de poncho tricoté, ce qui n'est pas rien. Tu m'étonnes, madame. Tu m'étonnes. Allez, si tu me trouves du câble électrique, je pourrais te faire un poncho. Alors oui, il n'y a pas de souci. On va avoir un poncho. Oh, on est tranquille. Pour avoir le poncho, il nous faut le White Spirit, je crois. Donc, il faut qu'on trouve... Ah, bonjour. Mémé m'a fabriqué ses vêtements plutôt classe. Tu veux quelque chose? Si je te montre ça. Oh, tu fais partie des extérioristes comme Momo. Eh bien, bonne chance. Merci.
Je vais pas tous leur montrer tous les trucs. Ta 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 ta. Voilà. Je m'amuse comme vous. C'est par là. L'informatique Super Spirit. Ah, Super Spirit, c'est par là. Je veux du... C'est pas du Wild Spirit, hein, mais... J'ai juste retenu le nom Spirit. T'es qui, toi? Teddy, tu ressembles à un petit... Un peu à un zerk. Enfin, vu de loin, au moins. Ils font de jolis petits cris et ont l'air mignons comme ça. Mais méfie-toi, ils mangent même le métal. Ils sont terrifiants. Qu'as-tu à me dire? Oh, c'est l'extérieur dont parle Momo. Et ça, voilà, c'est un code binaire. Tu n'as pas la traduction. Ouh. Jacob, employé du mois, septembre XX27. Et toi, tu es qui? Billy, tu veux quelque chose? Qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, le mythicien blanc, un beau concept. J'ai pas envie de changer la vie. Toi, tu es qui? Jacob, t'es pas du coin, toi. Qu'est-ce que tu veux? Belle photo de l'extérieur. Merci, merci. Momo adore ce mythe. Tu devrais lui montrer son appartement est tout en haut du secteur. Tu dois trouver le néant. Ah. Ça ressemble un peu à la photo des... 1, 2, 87. 1, 2, 83, Leslie. Je sais plus lire. 1, 2, 83, love égale 7. 1, 2, 4. Il doit y avoir un truc dans le coin. Il me faut un truc. Trouvons. 1, 2, 83, love 7. 1, 2, 83, love 7. 1, 2, 83, love 7. Ah, se rappeler. Qu'est-ce qu'on se rappelle maintenant? Je sais pas. Ils ingèrent vraiment ça. Leur conception d'origine n'incluait pas de système digestif. Peut-être ont-ils évolué en imitant les humains d'une certaine façon. Tu crois que je devrais goûter? Je ne peux pas manquer de respect à leur tradition. Ok. Oh, petit. Oh, on peut mettre les balles? Dites-moi oui. Dites-moi oui. Oh, trop bien. Alors attends, je vais perdre du temps. Allez, rentre dans. J'ai du temps à perdre. Allez hop. Bonjour monsieur. Claire, c'est le journal de gens qui vivent au-dessus, au niveau de lui, il date de quelques années, mais il vaut vraiment le coup. Bon, j'ai pas envie de te montrer. Qu'est-ce que c'est? Oh, une partition! On va pouvoir retourner voir le petit monsieur. Bah, vous savez quoi? Je vais retourner voir le petit monsieur, lui donner la partition. Retenir ici qu'il y a un petit code. Est-ce que ce serait pas le code binaire? 1, 2, 83. 1, 2, 83. Et tac, tac, love égale 7. Faudra qu'on trouve ce que c'est. On va donner la partition au monsieur. Oh, on est tout prêt en plus. On va donner la partition, écouter un petit peu de musique. Et on s'arrêtera là pour... for today. Bonjour, mon cher. J'ai une nouvelle chose pour toi. Regarde-moi ça. Lendemain, c'est cool. Tiens, regarde. Vas-y, je regarde. On s'allonge. On va écouter un petit peu ça. Je préférais l'autre. Je remettrai l'autre. On va se quitter sur l'autre, je pense. Mais du coup, il m'a rendu ma partition ou est-ce que je peux lui demander tout? Je me remets l'autre et on se quittera sur l'autre parce que je la trouve trop mignonne. Allô, et que je l'ai acheté. Ah, il va finir en entier. Bah, finir en entier, vas-y. Il n'y a pas de souci, on a le temps. Je gâche tout. Je vous remets l'autre partition. C'est fini, non? Bon, bah non, sinon on va se quitter sur celle-là. En vrai, elle est toute mignonne. Moi, j'aime bien. Je suis trop contente, franchement. So happy. Bah écoutez, c'était un plaisir de découvrir ce jeu. On continuera la prochaine fois. Et je vais vous souhaiter une excellente nuit.
sur ce petit air musical. Ah, je ne peux pas quitter. Ah, mais je suis obligée de chercher un autre point de sauvegarde, sinon ça me pique ou pas. Est-ce que ça va me kicker? Écoutez. Je pense que si je parle à quelqu'un... Bah oui, c'est dès que je parle. Bah on va lui parler. Parle-moi. Parle-moi. Ah, oh, bah voilà, on a eu la musique. Bah je vais reparler à quelqu'un. Peut-être que ça me fait un point de sauvegarde. Ou alors j'achète quelque chose. Je veux t'acheter cette chose. C'est quoi? C'est ça qui me vend pour deux? Trois canettes, bah je les ai, il me semble, non? Ah, j'ai pas assez. Y a pas moyen de... Donc y a pas de sauvegarde auto. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une... y a de la sauvegarde auto, justement. Mais je crois pas que si je veux quitter... Ouais, ça me sauvegarde pas, quoi. Allez, je cherche un petit... Je cherche un endroit où ça me sauvegardera. Il t'arrive toujours des trucs bizarres, mais je n'ose pas quitter notre village, c'est trop dangereux. En plus, le gardien est le seul à pouvoir ouvrir la porte. Je l'avais laissé dans la rue et le lendemain, les orques avaient tout bouffé. C'est dingue, non, ils peuvent manger n'importe quoi. Voilà, je me frotte. Je marque mon territoire. Je veux un petit point. Alors attendez, vous savez quoi? On va aller chez Momo. On va chez Momo et ensuite... Hasta la vista. C'est beau ça. Ah, les musiques, par contre, les musiques sont vraiment agréables. Voilà. C'est un carnet étrange orné d'un symbole. On dirait que celui-ci appartient à une certaine Clémentine. Les points se déroulent comme prévu. On a réussi. On a réussi quoi? On a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne. Ils sont dans un lieu appelé Centre-Ville qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. J'ai parlé à Momo tout à l'heure. Ses yeux, je connais ce regard, il ne viendra pas avec nous. J'ignore ce que ça veut dire, mais ça nous sera sans doute utile plus tard. On devrait aller voir ce Momo dont le gardien nous a parlé. Et bah voilà, on va se laisser sur ça. En plus, on a trouvé quelque chose d'autre à donner à Momo. Bah, je vous souhaite une très bonne nuit et à très bientôt à tous. Et voilà, regardez, hop, on se quitte sur ça, sur le beau menu. Bonne nuit à tous et à la prochaine. Au revoir.